Hello, j'aimerais te dévoiler l'arrière du décor. Hier et avant-hier, je t'ai partagé des extraits d'une conférence que j'avais fait il y a plusieurs années. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'avais cette coiffure un peu particulière. J'aimerais te dévoiler l'arrière du décor. J'avais cette espèce de mèche un peu folle dont je ne savais pas quoi faire. Je revenais de 12 jours en Mongolie où les conditions sur place ont fait que pour se laver, c'est assez compliqué. On n'avait quasiment que de l'eau froide. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux en rentrant. Et là, on était sur le moment en fait de la repousse. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé sur place. Je suis allée rencontrer Anke Tuya, qui est reconnue comme étant la plus grande chamane de Mongolie. Elle fêtait ses 50 ans d'exercice. Où on était invité à fêter cela avec elle. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce voyage que j'avais prévu de faire 3 ans avant et que je n'avais pas pu faire. J'ai pu me rendre compte en faisant une introspection que ce que ce voyage m'avait offert était complètement différent de ce que j'aurais pu attendre. Je te parle de ça demain.